pour un nouveau cours basé sur le funk et en fait quand le funk rencontre le rock'n'roll ou rencontre le blues. Donc un plan de John Mayer, jeune bellâtre américain qui a un peu tous les talents, il chante bien, il compose bien, il joue bien de la guitare. Il manquerait plus que les filles trouvent qu'il ait une belle gueule et ça me dégoûterait carrément. Donc on va bosser sur ce plan qui est basé sur un lacet déguisé. Plan très rock'n'roll. Pour ceux qui ont souffert avec un vieux liner Skynyrd en cours qui s'appelait Poison and Whiskey, je crois. Vous connaissez ce plan, la basse. On récupère la tierce et la septième, une case en amont, pour effectuer un petit glissé. Donc ça, c'est vraiment très très commun en guitare. Donc vous pouvez être précurseur là sur l'accord en mettant le majeur en haut, en cinquième case pour obtenir le La. Comme ça, vous pouvez placer index et annulaire sur la quatrième case corde de Ré et cinquième case corde de Sol. Et vous glissez d'une case et vous obtenez en fait la basse plus ça, ça fait ça. Écoutez les notes. Donc c'est exactement ça, c'est un lacet déguisé. Donc voilà le plan du début, c'est ça. Donc toujours la difficulté dans cette technique de jeu, c'est l'attaque. Main droite, si vous regardez la vidéo de John Mayer, ça attaque carrément toutes les cordes à fond. Donc les notes ne sont pas dures à faire, mais il faut étouffer tout ce qui ne sert pas. C'est-à-dire que là, mon index est posé au contraire de ce qui doit se faire, puisque normalement, on doit avoir les doigts bien perpendiculaires aux manches. Mais je le couche pour qu'on n'entende pas la corde de là. Et j'effectue le même travail avec l'index là-bas. Il est couché de façon à ce qu'on n'entende pas les cordes Si et Mi. Ce qui me permet d'attaquer comme un malade. Là, on n'entend qu'une note. Et là, on n'entend que deux. Donc déjà, il y a tout un travail à faire ici au niveau de la position main gauche. Ok, donc moi, je prends vraiment ce qu'on entend l'essentiel de ce qu'on entend sur l'intro. C'est-à-dire, de temps en temps, il rajoute des notes. Il va faire celle-là. Des fois, il rajoute donc cette note en plus. Donc moi, je prends que l'essentiel. Donc le premier plan, c'est ça. Et deux ghost notes. Donc la basse. Le slide sur les cordes centrales en 4 et 5 qui glisse en 5 et 6. Ça, c'est logiquement dans le demi-ton. Et deux ghost notes. Qu'est-ce que ça donne pour le début? Donc après, je vais rajouter un hammer de 5 à 7 sur la corde de Ré. Donc toujours pareil, il faut étouffer tout ce qui ne sert pas. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le début. Je vais refaire une dernière fois ralenti. 1, 2, 3, 4. En boucle. Donc on va passer à la deuxième partie. Donc on avait fait ça. Donc on va refaire deux ghost notes. Et on va aller chercher le 8 corde de Mi. Donc il est dénaturé. Donc je fais deux ghost notes et le 8. D'accord. Donc de temps en temps on entend cette note. Le 5 sur la corde de Ré, c'est le Sol. Mais sinon, on peut l'enlever. En faisant ça, premier 8 et un deuxième 8 en remontant. Dans ma tête, en fait, c'est 1, 2, 3, 4. Des doubles croches, je fais. Enfin, j'espace de deux doubles croches. Voilà. Un peu plus dur à faire, aller choper le 5 et revenir au 8. Thank you.
Voilà ce que ça nous donne. Donc ce plan-là va être refait une seconde fois avec juste la fin qui change. Donc je refais au ralenti le premier. Donc au lieu de faire deux fois le 8, la deuxième fois je vais chercher le Ré sur la corde de La en cinquième case. Donc c'est juste ça qui change. La première fois, deux fois le 8. Et là, une fois le 8, une fois le 5. Voilà, donc à vous de jouer. Allez-y tout doucement. Vraiment, ce tempo, c'est l'idéal. Entre les deux 8, je fais une ghost note. Donc à vous de boire ce que vous préférez. Travaillez bien, c'est un peu compliqué, surtout pour la gestion du son. Sachez que dans le morceau, il y a un fa dièse mineur qui va se placer un peu plus loin. Et un sol à 9. L'accordage un peu tchécoslovaque. Donc travaillez bien et on se retrouve pour un prochain épisode.